Alors, l'idée des Secret Girls, elle m'est apparue en 2013, donc il y a 6 ans maintenant. Et alors, comment elle est venue? C'est très simple. On m'a régulièrement posé cette question-là. Je regardais un clip, tout simplement, de Timbaland et Nicole Scherzinger. C'était Scream. Et on voit donc Nicole, très belle femme, près d'une limousine avec des cagoules. J'ai trouvé un côté, enfin, j'ai trouvé ça très, très beau, très mystérieux. Vraiment le côté mystifié de la femme, j'aime beaucoup le côté mystique de la femme. Donc, et très sexy à la fois. Donc voilà, tout ça, je me suis dit pourquoi pas créer ce concept. Et je l'ai fait tout simplement. Il y a plusieurs messages. Celui de l'enjaillement, c'est sûr. On doit s'amuser, on doit faire la fête. En fait, vraiment sortir de son quotidien. Donc le premier critère, on va dire, et je l'assume totalement, c'est vrai. Moi j'aime bien les femmes en chair, en tout cas pour Secret, il faut être en chair. Je prends tous les profils, hein. J'ai eu des très sportives, des très minces, des très rondes, mais voilà, elles ont toutes le même point commun, des jolies fesses, qu'elles savent bien faire bouger, donc ce sont des danseuses professionnelles. C'est vrai que là on en est à 4000 shows, donc partout en France et à l'étranger, hein, je répète, Maroc, Congo, d'ailleurs on y retourne cet été, les Congolais, on arrive à Brazzaville. On a fait la Tunisie avec l'Algérino, les Dégains. On a pratiquement fait tous les artistes. Je répète, hein, Mokobé, Naza, Booba, trois fois, Rick Ross, etc. Donc, en fait, ce qui différencie Paris des autres villes, moi, perso, je le dis et je le pense, et les Parisiens, il faut vraiment changer sur ça. Ils sont trop axés sur le superficiel aussi. Regardez ma montre, regardez ma voiture. En fait, ils ne savent pas s'amuser. Au sud, dans le sud, ils s'amusent beaucoup mieux. En Afrique, ils s'amusent beaucoup mieux. Partout, sauf à Paris. Lâchez-vous, lâchez prise et arrêtez de regarder votre voisin ou ce qu'on va penser de nous. On s'en fout, en fait. On est là pour s'amuser, clairement, c'est tout point. On est des femmes libres. En fait, c'est tout simplement des femmes libres. Et comme je l'explique et je le répète, dans la vie de tous les jours, moi-même, faut pas croire, décolleté, mini-jupe. Je suis en jogging, je suis en basket, on me reconnaît même pas. Des fois, je crois que je l'ai même dit, ça, Naïssa, Naïssa, fake ou quoi, Naïssa, c'est pas la même. Et je le dis clairement, parce que je suis comme ça dans la vraie vie, on ne me reconnaît pas, je mets ma capuche, je me maquille pas. Voilà, pour moi, j'ai toujours dit, il faut s'adapter. On s'adapte à tous les environnements. Là, concrètement, on est là pour faire un show. On ne va pas venir à un show en jogging basket, ça n'intéresse personne, on ne va pas se mentir. En 6 ans, je n'ai jamais eu aucun problème. Il y a toujours des clients un peu éméchés qui essayent d'aller plus loin, qui sont même très perturbés. Tous leurs sens sont un peu perturbés, ou ils sont en éveil. Mais tout de suite, franchement, comme on reste dans un cadre, je répète, d'une chicha, d'une boîte de nuit, des cadres vraiment très surveillés, très protégés, donc du coup, non, il n'y a aucun problème. Après, ils se calment tout de suite, c'est bon. Je dis toujours, je n'ai pas d'amis, je le dis toujours. Ouais, moi, là-dessus, je suis assez dure, je suis pas très flexible. Pour moi, mes amis, c'est que ma famille, mes cousines. Et parce que pour être un ami, il faut que j'ai entièrement confiance en toi. Qui dit entièrement, ça veut dire vraiment, il faut que je te connaisse depuis très longtemps, que tu aies fait tes preuves. Donc moi, je dis toujours, j'ai pas d'amis, même dans ce milieu, je n'ai pas d'amis. C'est des connaissances, des bonnes connaissances. Franchement, en tant que femme, c'est très dur. C'est plus dur que si j'avais été un homme, je le sais bien. Tu dois plus sortir les crocs, tu dois plus montrer ce que tu vaux, et d'autant plus quand tu as un décolleté. Ça veut dire que moi, je mets souvent en avant, tout le temps en avant, durant les shows. Donc, parce que souvent, ils vont dire, ouais, c'est une femme, elle est gros seins, elle est bête. En fait, la première personne à laquelle je pense, c'est Edmond Lemaire. Ouais, parce que c'est ma première soirée. Il m'a dit, bah viens, aux soirées d'Oscar du football. C'était en 2013, donc, au VIP, au VIP. Et du coup, il m'a dit, viens. Donc voilà, j'ai fait ma promo, j'ai pris des filles, j'ai pris des limousines. J'ai quand même, khalas, hein, j'ai payé cette soirée-là. Merci Edmond, mais j'ai quand même payé, c'était pas gratuit. C'était cher en plus. Et donc voilà, non, après, on va dire Edmond, il m'a mis un pied dedans. Franchement, j'ai plein de beaux souvenirs, comme des moins bons. Hein. J'en ai des très mauvais aussi. J'ai des très bons souvenirs, et on va dire en Guinée, j'en garde des très bons souvenirs. C'était bien en Guinée. Même je remercie vraiment tous les directeurs, vraiment. Je remercie ceux qui nous suivent, vraiment beaucoup. Ceux qui nous aiment, même ceux qui nous détestent. Parce que c'est bien de les avoir aussi. Moi, je vous aime aussi quand même. Moi, je suis quelqu'un dont j'apprécie tout le monde, j'aime tout le monde. Et je ne suis pas rancunière, moi, je m'en fous. Je passe toujours au-dessus de tout. Et les directeurs, ouais, ils nous reçoivent toujours très bien, vraiment comme des reines. Et c'est magnifique de pouvoir se dire que grâce à une société, tu voyages partout, tu es bien reçu et tu partages des très bons moments. Il n'y a pas de concurrence. Depuis 6 ans, il n'y en a pas. D'ailleurs, souvent, je leur dis, mais venez là, je m'ennuie. Je leur dis, je m'ennuie. Venez, c'est moi, je les appelle, venez, je m'ennuie, la seule depuis 6 ans, il faut faire quelque chose. Moi, c'est avant tout, j'ai toujours dit famille-travail. C'est mes seuls pôles essentiels, famille-travail.
Toujours, je suis toujours dans le recrutement de jolies filles. Donc, si vous êtes partante et si vous aimez danser, venez chez Secrets. Après, j'ai un site qui va sortir prochainement, qui met un peu plus de temps que prévu, mais Secret Girl Multiservice. Il y aura toujours plusieurs shootings. On sera aussi à l'étranger, comme je l'ai dit, au Congo cet été. Et mon projet, mon réel projet, d'être heureuse. Voilà. Et voilà, d'être continuer à donner le meilleur de soi-même et être heureuse, en fait. C'est mon projet principal.